Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un produit que vous allez découvrir aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà découvert, et qui est un bouton de commande Schneider. Alors c'est le bouton de la gamme D-Life, D-Life dynamique, parce que c'est un bouton qui, en dehors du fait que c'est un bouton KNX, les intitulés peuvent se changer dynamiquement, ainsi que le nombre de boutons en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, la référence de ce produit, c'est celle-ci, 61 94 70. Comme c'est marqué dessus, bouton poussoir 2, 4, 6, 8 boutons, étiquette dynamique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous pouvez le voir ici, il y a un capteur de proximité qui permet de détecter quand on passe devant pour activer l'écran. Ce n'est pas un écran tactile, c'est un écran dynamique. On peut voir ici sur les côtés qu'il y a des petits poussoirs. Et comme c'était indiqué sur la boîte, on a donc 2, 4, 6 ou 8 boutons selon la configuration. L'avantage de ça, c'est que vous avez une seule BCU qui vous permet d'avoir l'ensemble des configurations possibles. Et en fonction du panel de touches que vous avez commandé, vous allez configurer soit en 2, soit en 4, soit en 6, soit en 8 touches. Donc en fait, c'est juste après la commande de la partie poussoir qui vient se mettre sur les côtés ici, qui va vous permettre de savoir, qui va vous permettre de déterminer le nombre de touches que vous allez avoir sur votre bouton. Donc ça, c'est un premier point positif. Une seule BCU, c'est-à-dire une seule référence de commande, et ça évite de se faire des boulettes lors des commandes. L'autre chose que je vous ai dite, qui est importante, alors là, j'ai pas de commande, donc j'ai pas de touche, donc je vais être obligé de faire au tournevis. Donc, hop, vous voyez qu'ici, bon, bah, j'ai éteint le plafonnier du bureau. On a le changement de l'icône ici, qui correspond, donc pour chaque icône que vous avez sur les côtés là, ça correspond au retour d'état et aux fonctions que vous pouvez avoir sur votre bouton, côté gauche et côté droit, avec les labellisations qui sont ici. Et au milieu, ah, il ne veut pas se réactiver. Voilà. Et au milieu, c'est libre. C'est des étiquettes que vous pouvez librement affecter. Avantage de ça, en dehors de l'aspect esthétique qui est plutôt sympa, hein, parce que du coup on peut modifier avec les icônes qui sont présentes dans la base de données ETS, c'est que ben, fini les étiquettes moches que vous aviez auparavant, qui finissaient en plus par se dégueulasser avec le temps. Fini tout ce genre de choses qui étaient inesthétiques, parce que des fois écrit à la main, au lieu d'être fait proprement, vous avez des pictos ici qui sont clairs et que vous pouvez changer dynamiquement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, vous avez un bouton poussoir qui n'est pas gravé non plus, donc vous avez toujours la possibilité de le changer. Et ça reste des boutons physiques, puisque là, c'est ces petits contacts physiques qui se font sur le côté. Hein. Et gros avantage, c'est que du coup, vous avez l'affichage sur l'écran du milieu qui vous permet de changer la fonction et d'afficher la fonction selon les besoins du client et de modifier ensuite à volonté. Ça, c'est plutôt intéressant. L'écran n'est pas tactile, hein, comme je vous l'ai indiqué. C'est un écran purement informatif et d'affichage. Et vous allez voir que ce produit, en dehors de cette partie purement physique, on va dire, réserve aussi des belles petites surprises au niveau applicatif, et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Nous voici donc dans l'interface ETS avec le programme d'application du fameux bouton 61-94-70 de Schneider D-Life, avec la version affichage dynamique. Alors, au niveau des paramètres, comme vous le voyez, on a du standard fonction du bouton, fonction incommutation, variateur, store,
front 1 bit, 2 bits, etc. Régulateur 8 bits, les scénarios, éclairage RGB, commande de température de couleur. Ça, c'est plutôt pas mal. On en retrouve de plus en plus dans les projets, donc c'est plutôt intéressant d'avoir. Et la partie diminution de température, augmentation de température pour changer la valeur de consigne. Ensuite, deuxième partie, type d'appareil, c'est un appareil universel. Et c'est là que vous pouvez configurer côté gauche et côté droit. L'avantage, c'est qu'on a la petite représentation ici. Et c'est à vous de déterminer si vous voulez 4 boutons, 2 boutons, un seul. D'accord ? 3. En fait, vous le mixez comme vous voulez. C'est plutôt sympa. Il faudra juste après ajuster votre commande de touche en fonction des besoins du client et de ce que vous voudrez faire ici. Donc moi, pour la démonstration, je vais mettre 4 et 4. Donc j'aurai 4 boutons, donc 4 fonctions ici, 4 fonctions de l'autre côté. Avec ici, de chaque côté, la représentation pour chaque touche de la fonction qui est concernée. Et la possibilité également d'avoir un affichage au milieu ou pas. Ça, c'est vous qui décidez. On va voir juste après comment ça se passe. Ici, bouton 1 et 2, donc vous les avez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vous qui décidez comment, oupla, petite erreur, voilà. Comment vous les affectez. Donc fonction 1, vous pouvez la mettre en haut à gauche. Fonction 2, en haut à droite. Ou vous mixez comme vous voulez en fait. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dans l'affectation des fonctions sur les boutons. On va voir après quoi ça correspond. Et dans le champ médian, donc sur l'écran là, entre ces deux colonnes là, ici, dans ce petit rectangle qui se dessine là, vous pouvez afficher ou pas des icônes du texte. Donc soit une icône du texte, de la température du texte, ou ne pas l'utiliser pour avoir juste l'affichage comme ici. Alors si vous avez l'affichage au milieu, ça fait un peu plus encombré quand même que si vous n'avez rien comme ici. Ce qui peut être intéressant, c'est de garder quand même, par exemple, ici au milieu, en bas ou en haut, une indication de la valeur de température ambiante de la pièce. Ça peut être utile, parce que c'est toujours intéressant de visuellement savoir combien il fait. Après, le reste, remettre quelles sont les fonctions qui correspondent là, bon, c'est un intérêt moyen, mais certains peuvent le vouloir potentiellement. Donc vous avez toute une série d'icônes qui sont affichées et disponibles. Ampoule allumée, lampe, spot, lampadaire, lampe extérieure, etc. Vous avez le choix. Scénario retour ou quitter la maison, dîner, nettoyage, célébration, etc. J'en passe et des meilleurs. Libre à vous de le configurer comme vous voulez. Sur la ligne 1, sur la ligne 2, 3 et 4 également. Donc ça c'est pour la partie purement physique de l'appareil, les touches et l'afficheur. On a ensuite des réglages étendus. Comme très souvent dans les produits Schneider Space Logic, un mode nuit, la temporisation de démarrage, un mode de nettoyage qui est bien pratique, ça évite d'avoir à lancer des scénarios ou des actions quand on nettoie le produit. Le langage d'interface, le rétroéclairage, les niveaux de rétroéclairage en mode jour et en mode nuit, un mode veille. Vous avez également un indicateur d'orientation. Ici, il est marqué visible en mode nuit. Donc ça veut dire que si c'est visible en mode nuit, ben, il faudra régler date et heure pour que l'appareil puisse savoir quand il fait nuit ou quand il fait jour. Avec luminosité d'LED et puis blanc chaud ou blanc froid. Ça aussi c'est intéressant parce que en l'occurrence, peut-être la nuit, on préfère avoir un blanc chaud à 20% pour avoir juste une petite lumière d'orientation, enfin, ça c'est chacun qui voit comment utiliser ça en fonction de ses besoins. Le capteur de proximité, j'en ai parlé tout à l'heure,
Il peut y avoir des réglages à faire là-dessus aussi. Lui m'embête, je sais pas pourquoi. C'est réglable aussi, configurable. Et le capteur de température interne, vous en avez un qui est disponible où vous pouvez afficher la température externe depuis un autre dispositif Calix, peu importe, avec la possibilité d'un envoi cyclique de température si vous le voulez. Venons-en aux fonctions qui sont sur les touches. Donc sur les touches, vous pouvez nommer le canal, comme souvent. Alors là, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'était un spot que j'avais mis, je n'ai pas indiqué là. On retrouve de plus en plus ce genre de fonctions qui permettent d'avoir sur le nom d'objet après ici ce que vous avez indiqué en paramètre. C'est quand même bien pratique parce que ça évite de se faire des nœuds parce que du coup vous avez des dénominations qui sont bien précises, bien claires dans les objets. Et ça facilite encore le travail après pour associer les adresses de groupe. Vous pouvez faire des réglages étendus aussi, avec le type d'objet que vous allez envoyer, le type d'équipement qui va être envoyé aussi, la possibilité de faire des fonctions de verrouillage, et bien entendu de configurer les icônes pour un état actif ou pour un état inactif de ce que vous voulez contrôler. Donc là, j'ai fait un exemple pour de la commutation, je vous ai fait un exemple pour de la variation. Voilà. Vous avez également des réglages étendus pour la variation si vous le voulez. Ok, donc tout ça, ça en fait partie. Vous avez les réglages également pour tout ce qui concerne les stores, ouverture, fermeture. Je vous conseille de mettre ces réglages étendus pour le store, parce que si vous ne les mettez pas, oui, c'est pas grave. Vous aurez possibilité que de faire sur un bouton que ouverture ou fermeture. Pas les deux. Du coup, vous serez obligé d'utiliser deux boutons, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Avec les temps d'actionnement long, donc voilà, si vous voulez augmenter le temps d'actionnement long, vous pouvez le faire. Vous pouvez également affecter les fonctions que vous voulez. Non, les icônes que vous voulez, pardon. Donc du store, du voilage. Peu importe. Fonction d'augmentation ou diminution de consignes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc ça c'est pareil, hein, ça vous permet d'augmenter, de diminuer la température de consigne, bon, rien de particulier. Et vous avez ensuite un module de fonction logique, ce qui s'appelle liaison. Alors, c'est un terme un peu bizarre, mais une fois qu'on est rentré dedans, on comprend que c'est un module fonction logique. Donc avec ça, vous avez de quoi faire un certain nombre de choses. Et bien entendu, donc après, vos adresses de groupe alliées, avec les différents objets, et puis lancer le test. Il faut chercher un petit peu pour comprendre le fonctionnement, mais ça reste quand même assez intuitif. Et une fois qu'on l'a compris, c'est relativement simple. Donc, bon produit, en tout cas, moi j'aime bien le concept d'affichage dynamique, et du coup de ne pas être bloqué sur une configuration de... Éviter tout ce qui est gravure. Alors certains vont préférer la gravure, hein, on est bien d'accord. C'est plus de l'esthétique que vraiment un choix qu'un choix technique, on va dire. Certains préféreront largement la gravure à un affichage dynamique comme ça, mais bon, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte. En tout cas, moi, dans mon cas, je trouve que le produit est plutôt très très sympa. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Vous le trouverez, je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Vous allez trouver le produit sur la boutique domotiquedistribution.com. C'est disponible, donc vous pouvez vous le procurer sans problème. Je vous remercie pour votre attention.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.